honorable member for Ski and Boku Valley. Le conservateur en premier des navires, des avions et des véhicules pour les forces armées canadiennes. Ils ont promis de réparer les appareils de recherche et sauvetage en Colombie-Britannique. Le conservateur savait très bien qu'il ne pouvait pas livrer la marchandise. Il ne pouvait pas payer pour leurs promesses. Le fonctionnaire de la Défense les avait informés de la réalité. Pourquoi les conservateurs n'ont pas dit la vérité concernant leur stratégie d'achat militaire? Pourquoi pas ne respectez pas le payeur de taxes? Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on a dit la vérité et on a agi pour reconstruire nos forces armées. En même temps, on a vu l'opposition de l'NPD et du Parti libéral à nos efforts d'obtenir l'équipement nécessaire pour nos personnels en uniforme puissent faire leur démarche pour la défense du Canada. Et Monsieur le Président, ce gouvernement a fait les investissements historiques et sans pareil dans l'histoire moderne du Canada pour donner l'équipement et les ressources nécessaires aux hommes et aux femmes en uniforme du Canada. The honorable member for Skeena, Boku Valley. From the helicopters to the F-35 fiasco, Canadians are well aware of the Conservatives' litany of failures and half-truths on military procurement. On the F-35, costs were lowballed. The process was rigged from the start, and now the government is doing damage control because of a scathing Auditor General's report. Now we learn that the entire Conservative defense plan has been mismanaged and is over budget. The minister was told last year by his own department that his plan was, quote, unaffordable. Why did the Conservatives hide that fact that their defense plan was unaffordable from the public? The Honorable Minister of Immigration. Mr. Speaker, the reality is that no government in the modern history of Canada has done more to invest in giving the equipment necessary to our men and women in uniform. For example, we delivered 4 C-17 Globemasters, 17 C-130J Hercules. We've delivered unmanned aerial vehicles to support our soldiers in Afghanistan, over 1,000 new medium support vehicles and Leopard 2 tanks. Mr. Speaker, this government has consistently acted to support our men and women in uniform, giving them the modern equipment that they need, and at every step of the way, the NDP and the Liberals have opposed our efforts to invest in our... The Honourable